l'Union européenne au chevet des réfugiés sud-soudanais. Sa commission annonce une allocation d'urgence de 78 millions d'euros aux organisations humanitaires œuvrant au Soudan du Sud, mais également à celle de l'Ouganda. Présent dans plusieurs camps de déplacés, le commissaire de l'Union européenne à l'aide humanitaire s'est réjoui de l'accueil réservé à ses réfugiés en Ouganda. Je veux encourager l'Ouganda à poursuivre sa politique ouverte et généreuse envers les réfugiés. C'est un cas exemplaire de pays ouvrant ses portes aux réfugiés et ne les traitant pas comme un fardeau. Ces fonds alloués à l'Ouganda permettront de répondre au manque de logements et de besoins de première nécessité auxquels font face les ONG. Ce camp de réfugiés de Bidibidi est le troisième plus grand camp de réfugiés au monde, accueillant plus de 210 000 personnes venues du Soudan du Sud.